Aujourd'hui, je me suis levée de bonne heure pour savoir comment se passait une matinée chez Estelle, la fleuriste. Il est 7h du matin et nous partons chercher sa commande de fleurs chez Agora à Jarville. Arrivée sur les lieux, je découvre une ambiance accueillante et remplie d'odeurs fraîches et parfumées. Il est 8h30 et nous revenons de notre excursion florissante. Pendant qu'Estelle prépare sa terrasse, je profite de vous parler de ses activités. Elle vous propose plein de choses. Livraison de fleurs à domicile, composition de fleurs pour mariage, baptême et communion, des cours d'arts floraux, des bouquets de deuil, du nettoyage de tombes et fleurissement, et bien sûr abonnement entreprise et particulier. J'ai été impressionnée quand Estelle m'a raconté qu'elle avait tout refait dans sa boutique de ses propres mains. D'ailleurs, j'ai aimé cette odeur naturelle de bois et de fleurs qui m'a fait ressentir une certaine sérénité. Oh, mais tout de suite, retrouvons-la en pleine préparation. Estelle est passionnée par son métier et n'hésite pas à passer des heures à bichonner ses fleurs. Ça, c'était pour la partie aller chercher des fleurs et mettre les fleurs en boutique. Et voilà, tout est prêt pour accueillir cette belle journée en couleur. Mais je vais laisser Estelle continuer sa matinée, car elle doit à présent préparer ses commandes. C'est ainsi que s'achève pour moi cette belle aventure avec Estelle et ses fleurs. Si un jour vous voyez un trèfle promener une coccinelle, c'est que c'est tout simplement la fleuriste Estelle.